Et salut tout le monde, on se retrouve sur tout simplement My Hero Academia The Strongest Hero, et où on va tout simplement partir invoquer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur ce jeu. Il y a Endeavor, il y a le portail de Endeavor, on va en profiter. Est-ce que j'ai assez? Je suis pas du tout assez, donc on va partir sur des petites singles à droite à gauche. Et ici, on va faire nos 8 singles. Avant de partir ici, tout simplement. Sur ce, on y go. Ok, bon, pas grand chose. On y go, tranquille. N'oubliez pas que le taux de drop, que ce soit en single ou en truc et ou en multi, est quasiment identique. Le seul point positif, c'est quand même que vous avez une pistule toutes les 60 toutes les 60 singles ou toutes les 6 multi, vous avez un perso garanti, que ce soit sur ce portail ou l'autre. L'autre portail, c'est le perso de la bannière qui est garanti. Donc si vous voulez jouer, c'est toujours le bon moment. Il y a le portail de Endeavor, le perso est quand même assez charismatique, il est stylé, son gameplay est pas mal, il est correct, donc si vous voulez y jouer. Du coup, on n'a plus rien, on repart sur l'autre portail. Allez, 3, 2, 1... qu'on va pas avoir grand chose. Allez go, faire ça, on va en acheter plusieurs, on va pas se casser la tête. On retourne et on va partir invoquer. J'en ai 6, c'est pas grand chose, mais tranquille, peut-être je pourrais l'avoir en single, hein. Peut-être j'ai de la chance, hein. Qui sait. Ben non. Ok, du coup on continue. On continue. Ok. Toujours pas ce qu'on veut, mais on continue. Toujours pas. Il ne reste plus que 3 petits tickets. Allez, petite signature au calme. C'est pas fameux. Allez, plus que un petit ticket. On va quand même partir tester le perso dans son événement. Alors fallait s'y attendre. Du coup, on va faire. Ok. On va faire ça aussi. Ah oui, c'est vrai, il y a le nouvel an chinois. Forcément. C'est quoi, qu'est-ce qu'il veut faire? On va faire ça, c'est tout. Ok, on s'en fout, on va quitter. C'est vrai qu'il y a vraiment les événements. Bon, le perso est là. Du coup, on va faire ça, tranquille. On va tester l'unité, on va voir ce qu'elle donne. Ok. Ouais. Ok, peut attaquer depuis les airs. Et là, on va balancer cette attaque. C'est une lance. Ok. Ok, on y va. Ok. Si on charge à fond, ça fait quoi?
c'est pas si ouf que ça. Hein. Je m'attendais vraiment à un meilleur gameplay depuis la bêta. C'est pas fameux comme communauté, je trouve. Ok, on va terminer tout son event. Donc là, il va nous faire quoi? Ah oui, c'est le mode auto. Ah donc il peut, ah d'accord, il a deux styles de gameplay où il peut récupérer sa hache, enfin sa lance plutôt. D'accord. Ah oui, ça rigole pas. D'accord. Enfin là, ce qui va m'intéresser, ça sera sa compétence ultime. Que je vais bientôt charger normalement. Je récupère. Donc l'auto-attaque avec sa compétence. Ouh, oh, le lag. Et on va faire ça. Ok, cette attaque elle est plutôt assez stylée. L'explosion. Et on va faire ça. Ah, j'ai toujours pas chargé. Après, c'est vrai. Ok, maintenant j'ai la compétence ultime. On va voir ce qu'elle va donner. Ah, ça par contre, elle est stylée. Elle est stylée. Mine de rien, c'est une attaque AE qui frappe quasiment toute la carte. Enfin, toute la carte. Toute la caméra plutôt. Et ok, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, on va partir sur le dernier truc. Là, on pourra le jouer entièrement. Ok, 60K. Ok, c'est pas mal. On va récupérer ça. On va faire ça. Ok, en fait le gameplay il est incroyable hein. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah oui, son gameplay il est vraiment incroyable. Du coup, ok. Incroyable le gameplay. Par contre, le fight il dure un petit peu trop longtemps, je trouve. Ok, là je brise son truc. On va faire ça. Et on va terminer avec. Bon, c'est déjà pas grand chose. Donc en vrai, de vrai. Ok, en vrai, l'unité elle est vraiment pas mal. Hein. Elle est pas mal. Elle est pas mal, les gars. Je vous conseille vivement d'invoquer sur ce personnage parce que il vaut largement les coups. Alors, il y a quoi ici? Il n'y a pas grand chose. Est-ce qu'il y a un truc qui serait potentiellement rentable à acheter? On va voir ça. Du coup, non, il n'y a pas grand chose d'incroyable. De toute façon, c'est pas comme si je compte tryhard le jeu. Hein. J'étais là juste pour faire les invocations parce que j'ai vu qu'il y avait un dévore.
Sur ce, je vous dis à une prochaine. Du coup, aujourd'hui, il y aura deux vidéos. Parce que j'ai trop la flemme de poster ça lundi. Donc, lundi. Donc, dimanche, là. Aujourd'hui, on est dimanche. Il y aura celle-là. Je vais la publier super tôt. On verra. On verra. Sur ce, je vous dis ciao. Et à la prochaine. Peace. Prenez bien soin de vous.